L'ONG Compassion Internationale Burkina, qui vole au secours des populations vulnérables du Nord, vient de lancer une opération de distribution de vivres. La cible, ce sont les ménages affectés par la crise alimentaire. Francis Tien et Irénée Kabouré. Comme ces familles, ce sont plus de 3000 foyers qui vont bénéficier de cette opération de distribution de vivres de Compassion Internationale Burkina Faso dans la région du Nord. À travers ce geste, l'organisation entend aider les ménages vulnérables à traverser la période de soudure. Nous savons que dans ce contexte de soudure, de crise alimentaire, les personnes vulnérables sont celles qui sont dans une situation plus difficile. L'objectif de ce don, c'est de venir en aide à ces personnes vulnérables pour amoindrir le choc qu'elles subissent pendant cette période. D'un coût global de plus de 37 millions de francs CFA, l'initiative se veut un moyen de promotion de la sécurité alimentaire dans la région du Nord. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les populations bénéficiaires des zones affectées par la crise alimentaire. Je suis contente aujourd'hui d'avoir reçu des céréales 50 kilos pour moi et ma famille. Je suis très content vraiment d'avoir à l'air ainsi de nous aider, puisque c'était un moment difficile, c'est le mois d'août, bon, c'est difficile de fois. L'opération va se poursuivre dans d'autres localités du pays dans les jours à venir. Compassion Internationale Burkina Faso intervient depuis janvier 2015 dans les communes de Yako, Gourssi et Ouéguia en faveur des enfants.